Salut à tous, ici Robin dans les studios de Fun Radio. Bientôt mon passage, alors n'hésitez pas à me soutenir. Ça commence à maintenant. Mais oui, donc Samy et Chloé, ça y est, dans un mois, on souffle, on envahit les terrasses d'été, on prend du bon temps dans The Nouveau Bar, sous le parasol qu'à coup sûr tu te prends dans l'œil si tu fais plus d'1m30, et on se dore la pilule sur les meubles en palette récup qui te pètent le doigt après 5 minutes. J'ai hâte. Alors, je sais pas si ça leur coupe, coûte quelque chose de mettre un coussin, mais en tout cas les écharpes dans le cul, ça va 2 minutes. Oui, c'est un mollo parce que avant de sortir les lunettes de soleil, je dois d'abord finir de frotter les lunettes des toilettes. Je bosse dans une start-up comme stagiaire et hier, c'était soirée heure sup qu'ils ont baptisé After Work. Donc moi, je me retrouve à 18h dans la voiture avec mon maître de stage qui connaît non seulement les After Work, mais aussi les Before. Alors non, les Before Work, c'est pas quelques masos qui vont se lever pour aller au travail à 6h du matin pour se faire la position du lotus ou du lever du soleil avant de bosser. Non, il adhère pas trop. Lui, il préfère les bifores tout court. Donc le concept, c'est de boire avant de boire. Vous direz, c'est aussi con que de faire une sieste avant de dormir, on est d'accord. Là, du coup, au vu de la bouteille de Jack vide dans la portière, pendant que mon chauffeur est en train de faire un rallye Dakar sur les trottoirs de Bruxelles, j'essaye discrètement de sortir mon GSM pour essayer d'un peu comprendre ce que c'est que ce truc d'after work. Alors oui, c'est un concept britannique pour lutter contre l'individualisme au travail. Ok, moi je me dis c'est super, je vais me faire une place dans l'entreprise autrement qu'en apportant des thés noirs sans sucre et des infusions jardin détox Scandinavie. Alors, sur place, ils ont quand même une drôle de vision de la lutte contre l'individualisme. Enfin, le RH à part, à l'autre bout de la table. Ça, moi je me suis dit, ça va, j'ai compris, c'est pas aujourd'hui, je vais gratter le chèque repas en plus. Ah ça. Du coup, déjà que j'étais fatigué de ma journée à crier sur Usain Bolt, enfin Pierre, vous savez ce jeune, il a 24 ans, il classe 7 dossiers en 2 heures. Ben, moi j'en pouvais plus, j'ai arrêté de lui donner les cafés, je l'ai tapé devant l'intégrale de Thalassa. Mais malgré ça, j'ai pas su me détendre au soir. Ah mais l'afterwork, c'est pas une activité chill entre employés qui partagent une pinte en jouant en fléchette avec le boss comme cible. Non, c'est un patron qui par un élan de charité a réuni toute la boîte et a mis pour une fois la main au portefeuille. Du coup, comme c'est organisé avec un traiteur et toute la clique, on est harcelé par 18 serveurs en pingouin qui ne cessent de te poser la même question. Puis je vais proposer de succomber à la douceur de ce pain surprise, fourré à la crème fines herbes et son poisson rosé. Oui, enfin, ça va, j'ai compris, c'était un pain au Philadelphia avec un peu de saumon. Quoi. Hein. C'est pas la tête, ça a pas la tête d'une terrine de foie gras, ton truc. Ah, mais je vous avais dit, quand je suis crevé, je suis agressif. Puis c'est dingue, mais quand je m'emmerde, j'ai vraiment le même comportement qu'à un mariage. Quoi. Je m'empiffre tellement que Greenpeace pourrait me dénoncer pour avoir descendu la moitié de la réserve naturelle du saumon du Pacifique. Au final, quand t'as ta coupe de champagne offerte, tu passes au bar à tes frais. Donc merci patron. Et alors le mojito à 15 euros, je dis il est fait par Philippe Etchebest ou comment ça se passe? Non, parce que ça reste quand même 3 feuilles de menthe écrasées avec de l'eau pétillante et un fond de rhum, hein. Ça vous dites? Ah oui, vous me conseillez le nouveau cocktail. Ben oui, vous me conseillez surtout de faire un emprunt à la banque à ce prix-là, hein. Et au bar, justement, sans surprise, je retrouve mon maître de stage pour qui l'alcool semble avoir révélé le Molière qui dormait en lui. Et chef, oui, toi le stagiaire, comment? Ah oui, Robert, mais t'es comme mes couilles, toi, dis, t'es toujours entre mes pattes. J'ai dit. Bon, mais avec cette note de légèreté, fallait que je respire un bon bol d'air frais en terrasse. Enfin, frais. Je suis tombé sur le gang des fumeurs. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Enfin, le verre de Mojito. J'ai ramassé mon maître de stage, qui a visiblement maintenant, à 23h, adhéré au Before Work. Il s'essaye à la position du lotus sur le trottoir. Vivement demain, je sens que je vais troquer la tournée des cafés pour des cachets d'aspirine. Fun Wants You by Kev Adams. Votez pour votre humoriste préféré sur funradio.be/humour.